l'information sur Kinactu Télévision à la une de l'actualité. Journée internationale du travail, en République démocratique du Congo, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale dénonce la Derby Louchois s'est soldé sur un nul et au stade de l'Unité à Goma, Vita Club a été tenu en échec par Dauphin Noir cet après-midi. Une fois de plus, bienvenue à tous. Vous le savez, la France a condamné publiquement l'appui du Rwanda aux rebelles du M23 et demande le retrait immédiat et sans condition de forces rwandaises du sol congolais. Le président français Emmanuel Macron estime que la question sécuritaire est une priorité pour le retour d'une paix durable et effective dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Espoir qui n'en veut dit nous fait vivre la portée de la rencontre entre Emmanuel Macron et son homologue Félix-Antoine Tshisekedi à l'Élysée. Tête à tête à Élysée, en huis clos entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron, les questions sécuritaires et échanges commerciaux au menu de cette rencontre qui s'est clôturée par une conférence de presse conjointe entre les deux chefs d'État, le désarmement et encadrement des FDLR, les retraits des forces rwandaises dans les territoires de la République démocratique du Congo sont les priorités. Et la condamnation d'Emmanuel Macron au Rwanda pour son soutien aux rebelles du M23. La France d'abord a condamné publiquement les agissements rwandais à l'est de la RDC et ce à plusieurs reprises depuis la fin 2022. Pour le moment, nous considérons que d'abord, on continuera à porter des sanctions comme ça individuelles et ciblées en fonction des évolutions sur le terrain. Notre priorité, elle est à l'action DDR à l'égard de tous les groupes armés, réimplication des forces régionales onusiennes reconnues et acceptées par la RDC sur son sol, et avec un travail et des engagements que nous demandons au Rwanda. Et ce faisant, nous pensons que le dialogue et la recherche de la solution diplomatique et sécuritaire est plus efficace à ce jour. Agressé près de deux décennies, le président congolais reste dans sa position préalable avant toute forme de discussion avec le gouvernement rwandais. J'ai été payé en monnaie de singe, je ne vous l'apprends pas. Vous le savez, nous avons été poignardés dans le dos par le Rwanda qui, au lieu de se contenter de cette proposition que je faisais, qui allait garantir une transparence dans nos échanges et garantir aussi le principe gagnant-gagnant dans cette collaboration, ils ont préféré continuer ce trafic illicite qu'ils mènent sur le sang du peuple congolais. Il importe de signaler que cette visite et la quatrième depuis l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir à ce jour, dont celle-ci est en visite d'État. Restons en France, cette fois-ci parlons du vernissage du livre Pour un Congo retrouvé de Félix-Antoine Tshisekedi qui tente de partager sa vision dans cet ouvrage décrivant la situation sécuritaire dans l'est de son pays tout en dénonçant les velléités dont est victime la RDC. Plus de détails avec la presse présidentielle. C'est ici à l'amphithéâtre du Collège des Bernardins, situé en plein cœur du quartier latin parisien, que de nombreux intellectuels, acteurs politiques, hommes et femmes de culture se sont donné rendez-vous à l'occasion de la présentation de l'ouvrage « Pour un Congo retrouvé ». À travers ce livre, couché sur une centaine de pages, son auteur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se pose en garant de la démocratie et du renouveau. Au-delà de son goût à la littérature, l'ouvrage se présente également comme une tentative du président de la République de partager sa vision d'un Congo pacifié et prospère et de justifier les choix difficiles imposés par un contexte sécuritaire précaire. Évoquant la situation qui prévaut à l'est de son pays, la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dénonce encore une fois les velléités prédatrices dont est victime son peuple depuis plusieurs décennies. Je ne pouvais en aucun cas manquer à ce noble devoir de m'exprimer sur la tragédie que connaît mon pays, mais également
l'infaillible volonté de se faire entendre mieux, d'éteindre par le sacrifice de ces vaillants hommes et de ces vaillantes femmes le péril représenté par les velléités prédatrices et expansionnistes exprimées par certaines puissances étrangères. Mon pays fait face, comme vous le savez, à une agression lâche et barbare fomentée par des puissances extérieures en violation du droit international auquel vient s'ajouter l'activisme de forces négatives étrangères et nationales, particulièrement à l'est de notre République. Après plusieurs temps forts marquant cette cérémonie de présentation, l'ouvrage est passé sur le fonds baptismaux avec comme marraine Yamina Bengougi, femme de culture et ancienne ministre de la Francophonie et des Français de l'étranger. Dans l'assistance, il y avait également Jean-Luc Mélenchon, le chef de la gauche radicale française. Autre chose, enfin, le gouvernement congolais s'est exprimé concernant la convocation du cardinal Fridolin Ambongo par la justice. D'après le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, il n'y a aucun accord passé avec les Saint-Sièges ou de manière générale avec l'Église catholique qui exonère les personnes, en particulier des citoyens congolais, de l'obligation de respecter les lois de la République. Il était l'invité du journal Afrique sur TV5 Monde. La loi de la République, elle est impersonnelle, elle s'impose à tout le monde. Il n'y a aucun accord, aucune convention, aucun engagement passé avec le Saint-Siège ou de manière générale avec l'Église catholique qui exonère les personnes, en particulier des citoyens congolais, de l'obligation de respecter les lois de la République. Et par ailleurs, c'est trop fort que le cardinal Ambongo émette son avis sur ce qui se passe dans son pays, c'est normal. Mais là, c'est excessif. Ce qui est excessif est dérisoire. Mais vous n'avez qu'à lire, à suivre ces déclarations. Dire, par exemple, que ceux qui sont à l'alliance Fleuve Congo ont raison parce qu'il n'y a pas eu un bon partage des gâteaux, tout de même. C'est quand même un peu trop. Dit par exemple que la RDC... Mais il a le droit de s'exprimer comme mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Le droit que l'on a, c'est limite là où commence le droit des autres et l'ordre public. Dans un communiqué publié le 30 avril dernier, la Conférence épiscopale nationale du Congo appelle au calme la communauté catholique et toute la société civile du Congo face à la demande de l'ouverture d'une information judiciaire contre le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. À ce sujet, le secrétaire général de cette organisation, Donatien Cholet, estime qu'il n'y a rien à dramatiser à ce stade puisqu'il ne s'agit que d'une information judiciaire. Suivez. Les termes sont clairs. Il s'agirait d'une information judiciaire. Donc, une information judiciaire, on n'est pas encore vraiment dans un dossier judiciaire. Donc, il n'y a rien à dramatiser. C'est ça d'ailleurs le sens du communiqué de la CENCO, parce qu'on a enregistré beaucoup d'agitation, beaucoup de réactions qui pouvaient aller dans tous les sens. Non, c'est une fausseté. La fameuse lettre d'invitation est arrivée pendant que le cardinal était à Nairobi pour une mission en tant que président de CHEAM. Il est rentré le vendredi 26, donc le week-end s'en est suivi, et entre-temps on a lu la fameuse lettre. On se demande quelle est la motivation de ceux qui ont voulu la médiatiser. Donc on peut vraiment pas parler du refus. N'importe quelle autorité, même au niveau mondial, ils peuvent être écoutés pour besoin d'informations. Changeons des chapitres. Sachez que le 1er mai de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des travailleurs. En République démocratique du Congo, elle est commémorée sous les thèmes paix et sécurité, gage de la promotion de l'emploi en RDC. Espoir Kinanvudi nous retrace l'historique de cette date. Célébré dans nombreux pays du monde, le 1er mai est connu comme une ancienne fête de printemps, mais de nos jours, il est plus connu sous le nom de la fête du travail ou la journée internationale des travailleurs. Cette date est pour commémorer la lutte historique et les progrès réalisés par les travailleurs du monde entier.
C'est en 19e siècle que cette journée tire son origine. Le 1er mai 1886, les réformateurs britanniques Robert Owen formulent l'objectif d'une journée de travail avec le slogan 8 heures de travail, 8 heures de récréation et 8 heures de repos. Ces jours-là, 40 000 travailleurs rassemblés à Chicago pour revendiquer leurs droits car ils travaillaient sans horaire de travail fixe, pénible et sans repos. Cette manifestation de grande grève vive entre manifestants et la police a fait état d'un mort et plusieurs blessés. Cette situation est la genèse de la journée du 1er mai pour commémorer cet événement qui, aujourd'hui, est célébré dans le monde par plusieurs pays. Chaque 1er mai est organisé des activités pour réclamer les meilleures conditions de travail et le renforcement du pouvoir et des droits des travailleurs. En 2024, la République démocratique du Congo célèbre cette journée dans le contexte de la paix et la sécurité, une priorité pour les travailleurs au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours dans ce chapitre consacré à la journée dédiée aux travailleurs, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a rappelé la crise sécuritaire dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie orientale, impactant négativement l'organisation du travail et la protection sociale des travailleurs. Suivez. Mesdames et messieurs les travailleurs, mesdames et messieurs les employeurs, chers compatriotes, à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale du travail ce 1er mai 2024, placée sous le thème international « Promouvoir le travail décent dans un monde en mutation », nos premières pensées vont à nos dignes camarades travailleuses et travailleurs qui nous ont quittés et pour qui nous gardons le meilleur souvenir. Ce jour rappelle la répression sanglante sur les travailleuses et travailleurs suite à la manifestation organisée en 1889 à Chicago aux États-Unis en vue d'obtenir de leurs employeurs les meilleures conditions de travail. Depuis près de trois décennies, nos compatriotes, principalement de la partie est de notre pays, tombent sous les balles du fait d'une guerre injuste nous imposée par les ennemis de la République, priva le pays d'une bonne part de ses ressources humaines et naturelles indispensables à la croissance économique. D'où le thème national choisi, paix et sécurité, gage pour la promotion de l'emploi. Et du côté de l'opposition, Pitié Kapande, cadre au sein de la formation politique FLNC, affirme qu'il ne trouve pas important de célébrer cette journée en faveur des travailleurs congolais, car la République démocratique du Congo présente à ces jours 90% des chômeurs. Regardez. Le 1er mai 2024, c'est férié pour notre pays ou au monde. Nous disons bonne fête à tous les travailleurs. Nous disons bon repos à ceux qui n'ont pas eu la chance de sortir pour aller chercher parce que le bureau, là où on trouve un petit rien à manger, se trouve fermé. Nous regrettons que cette année, le 1er mai, se passe vraiment timidement parce que la population ne s'est pas retrouvée dans son ancêtre afin de satisfaire, progresser avec sa joie. Mais sinon, nous souhaitons seulement bonne fête à tous les travailleurs du monde, particulièrement de la RDC. Je dis au gouvernement qui va entrer, et je pense bientôt, je ne m'adresse pas peut-être à ceux qui parlent parce qu'ils ont déjà terminé, ça ne les concerne pas, mais ceux qui vont entrer d'ici là, qui puissent réfléchir au social de la population. Même si notre pays est agressé, même si notre pays est en souffrance, on sait qu'en Afrique, presque tous les pays africains, nous sommes dans des souffrances, mais quand même que nous puissions penser dans le minimum du social de la population. Si nous voulons que les gens applaudissent pour notre gouvernement, il faut que la population elle-même ne fasse que trouver à manger le pain du quotidien afin qu'ils trouvent la force de parler et applaudir ce que le gouvernement fait.
Poursuivons ce journal, 50e anniversaire du programme élargi des vaccinations de la République démocratique du Congo et la semaine africaine de la vaccination. Le vice-ministre de la Santé appelle à l'écoute pour découvrir l'importance et l'impact de cette opération. Chers compatriotes, nous célébrons chaque année la semaine africaine de vaccination et cette année, elle a une connotation particulière, celle de célébrer le 50e anniversaire des programmes de vaccination dans le monde, en sigle PEV. La semaine africaine de vaccination est un événement qui offre une opportunité de communiquer sur l'importance des vaccins et de la vaccination dans la vie de chaque enfant en particulier et de chaque être humain en général. Grâce à elle, nous avons éradiqué la variole, nous sommes en passe de vaincre la poliomyélite et plus d'enfants, plus que jamais, survivent et s'épanouissent. Cette année, la Semaine mondiale de la vaccination célébrée sous le thème « Programme essentiel d'immunisation » étant le jalon que vient d'atteindre la région africaine et la RDC en particulier, coïncide avec les 50 ans du programme élargi de vaccination PEV en cycle. Dans dossier à un autre, Narcisse Ntoumba, responsable des médias au sein de la formation politique CRIC, pense qu'il y a quelque chose qui cloche concernant le report du dépôt des candidatures de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale et reste totalement sceptique pour des raisons avancées par le bureau provisoire de cet organe délibérant. Suivez. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne semble pas aller à l'Assemblée nationale, c'est que les raisons évoquées pour le report du calendrier, ça, en tout cas vraiment, c'est hors du commun, ça ne tient pas debout, ce sont des choses fallacieuses, fabriquées tout simplement pour que le président Bosso persiste, reste toujours en fonction, mais ce qui est vrai, l'essentiel a été déjà fait. Dans le primaire, les députés nationaux ont exprimé leur volonté de voir Vital Kamerhe gérer cette institution. Donc, peu importe le manœuvre qui pourra découler de cette institution, il y aura toutefois les élections. En tout cas, vraiment, je reste persuadé que non, voilà, les raisons évoquées dans ces communiqués ne tiennent pas debout. Ce sont des histoires fabriquées tout simplement. Il y a un Ambroise Roche dans cette histoire. Je pense que le président de la République a suffisamment laissé les choses aller dans cette institution dans tous les sens. Et je reste persuadé qu'il a connaissance de ses communiqués. C'est à lui maintenant de se prononcer parce que c'est les dépôts des candidatures. Donc la CNI n'empêche pas aux candidats qu'ils soient représentés au moment des dépôts de leur candidature. Élection de gouverneurs et sénateurs en République démocratique du Congo. Simon Lifeta, cadre au sein de la formation politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabounda, relève des fraudes massives observées par tous lors de l'organisation de ces scrutins sur l'ensemble de l'étendue nationale. Si nous étions dans un état sérieux, c'est une élection qui mérite d'être annulée. Pourquoi je l'ai dit? Nous avons tous vu, d'ailleurs, il y a un communiqué d'un organisme, le Simoncel. C'est une organisation qui supervise les élections, c'est comme étant des ONG. Et à travers ces communiqués, on a démontré noir sur blanc comment la corruption, comment la séquestration des élus provinciaux, vraiment, a caractérisé, ou soit ont caractérisé les élections sénatoriales en RDC. C'est-à-dire, ce qui prouve que non, les qualités des sénateurs qui comptent ou qui compteraient la République à ces jours, ça sera des sénateurs ici de la corruption, des séquestrations des élus provinciaux. Déjà, ça s'annonce mal et ça s'annonce mauvais. Vraiment, je interpelle une fois de plus, même si ça sera impossible, parce que et tous là sont déjà des fourrus ou sont déjà animés de faire ce genre de pratiques. Mais c'est dangereux pour le pays, c'est l'avenir du pays qui sera hypothéqué. Parce que je les confirme encore qu'il y a une élection, que ce soit des gouverneurs, que ce soit des sénateurs, vraiment, c'est une élection caractérisée par la corruption, par des intimidations, par le tribalisme,
Tout ça, c'est vraiment dangereux pour le pays qui espère émerger et qui espère développer. Vraiment, je pense que c'est regrettable pour notre pays. Et en sport, c'est par une note d'égalité que s'est soldé les derbies louchois cet après-midi au stade Kibasa Maliba entre Mazembe et Lupopo en cinquième journée du play-off. Et au Nord Kivu, Dauphin Noir et l'AS Vita Club se sont quittés dos à dos. Il y a une semelle. Sans surprise, la rencontre historique du football louchois s'est terminée en bons amis dans cet après-midi de la journée dédiée aux travailleurs. Après une première période, avec des occasions sans bouger les filets, les Corbeaux étaient les premiers à ouvrir le score grâce à un travail en duel des aimants à Sosé, conclu par Philippe Traoré. 1-0, Mazembe mène au marquoir à la 53e minute. Et la réponse des cheminots interviendra à la 64e minute de la rencontre. Manouzone marque contre son cas et permet au Saint-Éloi Lupopo de revenir au score. Jusqu'au coup de sifflet final, rien n'a changé. Un but partout, score qui a sanctionné les deux géants clubs de la ville qui préfèrent un match de la 5e journée du play-off. Et ni vainqueur ni vaincu au stade de l'Unité à Goma entre Dauphin Noir et V-Club, alors que les Moscovites se sont lancés vite à la 23e minute grâce à Eli Panzou, baptisé les catalyseurs avant l'égalisation qui porte la signature de Maleta Wamaleta. En deuxième période, V-Club s'est procuré une multitude d'occasions sans réussir à marquer contre un Jackson Lunanga héros dans sa cage, qui a prouvé sa grandeur face à l'attaquant véclibien Eli Panzou, qui a vu son penalty être arrêté par les portiers du club vert et noir de Goma dans les temps additionnels du match. D'une discipline à une autre, après une préparation en cachette, le boxeur congolais professionnel Glory Maswaku, alias descendant de Mohamed Ali, promet un spectacle émouvant les samedis 4 mai lors d'une soirée des galas Boxing Bomoko Fights qui sera organisée par la Commission des athlètes du Congo qui est à sa deuxième édition. À cette occasion, ce pigiste congolais fait un appel à ses fans pour une véritable participation. Alors, je tiens à vous informer que ce samedi, ça sera un show, jeu et un combat, précisément en RDC, dans la capitale de Kinshasa, dans la commune de Lingwala. La référence est le saute-mouton Asanef, dans la salle de Congo Loisir. J'appelle mes fans, j'appelle les amoureux de la boxe. Je vous promets une victoire très assurée et une victoire avec de bons spectacles. J'ai travaillé en cachette, maintenant il me faut que je puisse vous montrer le travail acharné que je fais. Sur les rings, je veux vous faire un grand plaisir. Je vous appelle de venir voir votre champion, Joris Mokin, le descendant de Mohamed Ali. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de la carotte? Découvrons ensemble ce que la rédaction vous propose. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée s'est prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ses succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydante et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Cl-
clôturons par la page météorologique. Demain matin à Kinshasa, il y aura un beau soleil. La température dans la capitale congolaise sera de 23 degrés Celsius avec une ressentie plus chaude, soit 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 3 km par heure et à l'après-midi, vous pourrez profiter du soleil. La température atteindra les 35 degrés Celsius marquée par une température qui sera plus chaude. Et enfin, dans la soirée, le beau temps sera dès la partie. La température retombera vers 29 degrés Celsius, mais la température ressentie plus chaude sera des 30 degrés Celsius. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Journée internationale du travail. En République démocratique du Congo, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale dénonce la crise sécuritaire dans l'Est qui impacte négativement l'organisation du travail et la protection sociale des travailleurs. Cinquième journée du play-off, c'est mercredi. Les derbys louchois s'est soldé sur un nul et au stade de l'Unité à Goma, Vita Club a été tenu en échec par Dauphin Noir cet après-midi. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.